Nice et les Alpes-Maritimes sont riches de 1000 joyaux architecturaux. Du cabanon de Le Corbusier au palais Bulle d'Antilovague, l'amateur ne peut que s'émerveiller devant tant de variétés. Parmi ces ouvrages, il en est un qui passe inaperçu depuis des années. Sous son habit de pollution noirâtre, le Gloria Mansion trône sur la rue de France depuis 1934. Reprenant les codes des appart-hôtels new-yorkais des années 30, son architecte y a mis le lourd passé qu'il vécut en Arménie avant son exil pour la France où il arrive en 1924. La communauté arménienne arrive par vagues à partir de 1922, donc après le génocide arménien. Elle était assez éclectique finalement, puisqu'elle est à la fois une population d'ouvriers, mais aussi une population d'exception, puisqu'elle ramène effectivement des architectes, des érudits. Et donc c'est ce mélange qui crée un courant au niveau architectural, en tout cas assez novateur. Garabed Ovnanian rencontre rapidement Joachim Naapiet, alors promoteur sur la Côte d'Azur, qui lui accorde toute sa confiance et lui offre la réalisation de sa plus belle œuvre. Habitat privilégié de la bourgeoisie locale, des voyageurs américains dès sa livraison, le Gloria Mansion est devenu un immeuble d'habitation commun au fil des années, jusqu'à être squatté. Il aura fallu attendre des décennies pour qu'un investisseur privé engage des travaux de réhabilitation générale. C'est la totalité de l'immeuble qui est classé monument historique. Donc le chantier qui va démarrer porte sur deux grands corps de travaux. D'une part, la restauration des parties communes et ensuite la réhabilitation, on va prendre un terme autre, des appartements à qui on est obligé, bien sûr, de donner, tout en conservant le style initial, un peu de modernisme au niveau de tout ce qui est des techniques modernes de ventilation, de chauffage et autres. En matière de travaux, on restaure un bâtiment, c'est-à-dire que l'on emploie les techniques que l'on employait à l'époque. Il est hors de question, disons, d'employer des techniques nouvelles ou de masquer ce qui avait été fait à l'époque. Les 6 niveaux du Gloria Mansion sont entrés en effervescence en début d'année. Ce ne sont pas moins de 200 ouvriers qui se relaieront sur le chantier dans tous les corps de métier. C'est un chantier à phase, c'est un chantier sur un bâtiment monument historique avec certaines particularités. Donc l'idée c'est de gérer tout ce qui est problème technique, organisation et mener à bien cette opération. On s'efforce de choisir des entreprises qui ont le savoir-faire en réhabilitation et sur des prestations spécifiques. Donc ça, c'est un des gros enjeux de ce chantier, c'est de ne pas se tromper dans les partenaires avec qui on est amené à travailler, parce qu'il y a un vrai challenge et on veut que l'opération soit réussie. Le chantier est minutieusement élaboré et structuré par une équipe attentive et passionnée qui s'investit pleinement dans cette réalisation hors normes.